Le Salon international du bâtiment pour nous est un événement phare. Édition après édition, il confirme son importance et sa pertinence. L'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes que je représente est une profession qui s'inscrit en plein cœur de l'acte de bâtir. Nous avons la chance d'intervenir d'une manière transversale à tous les niveaux, dans l'immobilier et dans le bâtiment. Notre participation au Salon international du bâtiment, pour nous, c'est un engagement. C'est l'engagement de la profession. Et on s'inscrit dans la politique publique de l'État en ce qui concerne l'acte de bâtir. Aujourd'hui, ce salon est considéré pour nous un événement international très important et donc notre présence, elle est pertinente parmi les différents professionnels. L'édition de cette année a pour thème « Construire pour mieux vivre ensemble ». Nous le considérons très intéressant parce qu'il regroupe tous les professionnels et donc tous les professionnels sont amenés à concrétiser cet édifice. J'ai choisi la profession d'ingénieur géomètre-topographe. D'abord, c'est une formation qui repose sur les mathématiques et les sciences physiques. Donc, il faudra être quelqu'un qui aime ces deux disciplines. Et d'autre part, c'est un cycle d'ingénieur et donc il faut résister aux différentes étapes pour être sélectionné et pour pouvoir passer en ingénieur. C'est une formation très pertinente parce qu'elle est polyvalente. On touche, embrasse pratiquement tous les domaines. Comme j'ai dit tout à l'heure, notre profession, c'est une profession transversale. Et donc, on intervient dans l'habitat, dans l'urbanisme, dans les travaux publics, dans la bathymétrie. C'est une profession qui repose généralement et d'une manière pertinente sur les nouvelles technologies. Et donc, c'est une profession qui est très dynamique, qui évolue presque tous les 6 mois, 9 mois et qui a tendance à utiliser les nouvelles technologies. Et bien sûr, on a aussi la chance de travailler avec tous les professionnels, les architectes, les notaires, les bureaux d'études. Donc on est très présent, même avec l'entreprise sur chantier. Et du coup, il faut être sociable et il faut essayer de comprendre tous les intervenants et aimer la terre puisqu'on travaille principalement sur terrain. L'Ordre national des ingénieurs géomètres-topographes est une instance professionnelle créée par un texte de loi qui a la première mission d'organiser la profession d'ingénieur géomètre-topographe au Maroc. Et bien sûr, qui dit organiser, dit réglementer, dit assurer la formation continue et encadrer l'ingénieur géomètre diplômé de l'école pour qu'il soit opérationnel, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé.